Salut à tous et à toutes, je reviens dans une nouvelle vidéo, une vidéo achat make-up. Alors j'ai commandé sur le site Révolution Beauty, pardon, oui, anciennement Make-up Révolution apparemment. Donc c'est ma première commande, j'ai jamais commandé chez eux, mais j'avais vraiment très envie de le faire. Il y avait des soldes et puis il y a plusieurs youtubeuses qui m'ont donné récemment envie de commander là-bas pour tester les produits. Donc je vais commencer tout de suite par peut-être les produits soldes. Voilà, j'ai eu plusieurs produits en solde et puis d'autres pas soldés. Donc je commence tout de suite. Alors en premier, je vous présente donc l'éponge de maquillage qui était vraiment peu chère. Elle était à 1 euro, 1 euro et quelques, moins de 2 euros. Voilà, elle se présente comme ça. Voilà, elle a l'air très bien. Une fois mouillée, elle sera certainement plus souple parce que là, elle est plus dense, elle est sèche, forcément. Donc, je vais tester. Moi, j'ai l'habitude d'avoir la Real Technique que j'aime beaucoup. Et là, j'avais, pour le prix, pour moins de 2 euros, j'avais vraiment envie de tester celle-là. Donc, je vous avertis tout de suite, j'ai enlevé les scotchs parce que, vu que j'ai encore mon bras et ma main folle dans un état pitoyable. J'ai du mal à attraper et à ouvrir les articles. Donc voilà, je m'en excuse d'avance, mais je ne peux pas faire autrement. Donc voilà, pour cette petite éponge. Deuxième article soldé, ce sont deux crayons noirs qui étaient en duo. C'était un duo de colle noire. Il marque Pro Colle Eyeliner Duo. Voilà, il se présente comme ça. Et j'avais plus de crayons noirs, donc... Là, le lot, il était à moins d'un euro, il me semble. Voilà, vous pouvez essayer de regarder sur le site s'ils sont toujours. Voilà. Alors, il est plutôt gras. Et il marque très bien. J'espère qu'ils ne baveront pas, qu'ils ne couleront pas. Voilà. Donc, c'est mon deuxième produit. Troisième produit qui était soldé, c'est le fixateur de maquillage, c'est la brume fixateur de maquillage. Alors j'avais vraiment très envie de la tester. Elle n'arrêtait pas d'être out of stock. J'arrivais pas à la voir. J'ai patienté quelques jours et puis je suis retournée sur le site et du coup, elle était réapprovisionnée. Donc j'étais très contente. Elle coûtait 3 euros et quelques. Elle était à moins de 4 euros. Donc c'est la Pro Studio Fixing Spray. C'est celle-ci. Donc voilà, j'espère qu'elle est bien et qu'elle fonctionne plutôt bien. Voilà, je ferai peut-être un retour une fois mes produits terminés. Je vous dirai peut-être ce que j'en ai pensé. Mais elle a l'air très bien et pour le prix, pour moins de 4 euros, ça va très très bien. Autre article, je regarde ce qu'il me reste dans mon petit machin. Autre article soldé, je crois que c'est le dernier article soldé. C'était un blush. Il se présente comme ça. Oh, je crois que je mets à l'envers. Voilà. Vivid Blacking Blush. Comme je vous dis, je bataille énormément avec mes doigts. Je suis désolée. Qu'est-ce que j'ai pris comme teinte? Alors, le All is think about is you. Excusez mon anglais, mais voilà. C'est une teinte un peu rosée pêche. Rosé plutôt. Elle a l'air très 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 jolie. Oui, c'est un rosé pêche. Je ne sais pas si vous verrez. Non, que dalle sur ma main. Bon, elle a l'air très très belle. Et puis ça aussi, c'était pas très cher. Je ne sais plus le prix exactement, mais ça valait que dalle. Voilà. Ensuite, ce sont des articles non soldés. Alors, j'ai voulu tester une palette parce que j'adore les palettes. C'est vraiment mon truc. Voilà, j'adore ça. J'ai voulu tester cette palette-là. Alors, j'ai pris la Iconic Division. Alors, pourquoi j'ai choisi celle-ci? Parce qu'elle me faisait vraiment envie. Les couleurs sont vraiment différentes de ce que je peux avoir. J'ai plusieurs palettes. Et j'ai pas trop de palettes où il y a beaucoup de couleurs comme ça, là. Des espèces de jaune orangé. Ce vert kaki là, voilà, j'en ai pas trop,
de ces teintes-là. Et elle me faisait vraiment envie pour un maquillage. Vraiment, j'avais envie d'essayer vraiment ces couleurs. Alors, je vais essayer de faire quelques swatchs. Même si avec mes mains, c'est pas terrible. Hein. Ah oui. Le vert peut-être. Ouais. Elle a l'air plutôt bien. Voilà. Et elle me faisait vraiment très envie. Alors, c'est presque que des teintes mates. Il y a deux irisés. Les deux là sont irisés. Le reste, c'est que des mates. Et j'en avais vraiment très envie. Et je crois qu'elles sont à 5 euros et quelques, la palette. Ou 4,95, il me semble. Oui, il me semble qu'elles sont à 4,95. Donc, moins de 5 euros la palette. Franchement, je sais pas combien de... 3 et 3, 6, 3, 9 et 3, 12 et 3, 15. 15 fards. Donc 15 fards de 1,1 g. Donc c'est plutôt bien. Voilà, elle me faisait très envie. Ensuite, en nouveauté, eh ben, j'ai voulu essayer cette poudre ici. Alors, c'est la Blake Blot. J'ai pris la translucide. Moi, j'aime bien les teintes translucides. C'est ce que je préfère. J'aime pas que ça rajoute une couleur de plus sur mon teint. J'aime plutôt que ça soit neutre, qu'il n'y ait pas de teinte supplémentaire. Voilà. C'est ce que je préfère le plus. Là, c'est en format compressé. C'est une poudre de baking en compressé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent de plus? Elle fait combien de grammes? Est-ce qu'ils vont dire? Non, je vois pas exactement combien de grammes elle fait. Mais bon, elle m'a l'air pas minuscule. Et moi, j'aime plutôt. J'ai envie de la tester. Voilà, j'espère qu'elle sera bien. J'ai vu des revues. Elle a l'air quand même pas mal. Donc, voilà. Ça m'a donné envie. Ensuite, j'ai voulu prendre le concealer. Alors, apparemment, c'est des produits qui se vendent énormément chez eux, qui marchent vraiment bien. Ce sont des nouveautés. C'est le Conceal Define. Voilà. Alors, il y avait plusieurs. Ah, j'ai le 4 grammes. Il me semble que j'avais commandé le 7. Et oui. Est-ce que je vais le retrouver sur ma commande? Non, il ne marque pas. Il me semble que j'avais commandé la 7 grammes. J'ai eu la petite, la 4 grammes. Dommage, j'aurais voulu la plus grande. Parce que 4 grammes, je pense que ça va vite passer. Bon, tant pis. Alors, tout le monde le connaît. Hein. Voilà, le packaging, il est très bien. Il a l'air très bien. Hein. Voilà. Et l'embout est énorme. Voilà. Donc, j'espère qu'il sera bien, qu'il filera pas trop dans les plis, qu'il tiendra plutôt bien. Voilà. Après, bon, on verra ce que ça donne. Ouais, c'est le 4 grammes. J'étais persuadée d'avoir commandé le 7. Bon, je regarderai plus attentivement dans ma commande, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que... Ah oui. J'ai commandé ce gloss qui a l'air magnifique. Alors, comment il s'appelle celui-là? C'est le Lip Topper. C'est le S... Pardon, je l'ai échappé des mains. C'est le Exquisite. Il a l'air vraiment trop, trop beau. Ce sont des paillettes, c'est magnifique. Oh là là, oui, il est beau. Il a l'air trop joli. Moi, j'adore ajouter des fois sur mon rouge à lèvres des... Oui, on le voit, il est là. Juste là, il brille un petit peu. On voit pas très bien. Si, hop, voilà. Il a l'air vraiment trop, trop beau. Alors bien sûr, c'est un gloss. Ma foi, les gloss, ça reste un petit peu collant, mais bon. Après, bon, ça ne me dérange pas trop. C'est pas ce qui me dérange. Voilà. Tout ce que je veux, c'est qu'il ait plein de paillettes et qu'il soit super joli. Voilà. Ensuite, une nouveauté encore. C'est ce petit Ice Glisten. Il s'appelle. Ice Glisten. Voilà. Alors, il y en a beaucoup qui l'ont comparé à d'autres marques beaucoup plus chères. Moi, je trouve que ça n'a pas à voir avec comme on dit, les Huda Beauty. On en parle. Alors, non, parce que le Huda Beauty, il y a un côté mat, un côté paillette.
Et là, c'est un côté irisé, un côté paillette, donc il n'y a pas de mat. Après, le principe, oui, d'accord, il est le même. Mais je sais pas s'il faut les comparer ou pas. Bon. Moi, je m'en fous, il me faisait envie. Et il n'était pas très cher, quand il était à 6 euros et quelques, vraiment. Donc, c'est pas... Waouh! Ah oui, super beau. Oh, j'adore. Il est trop beau. Le irisé, il est trop, trop beau. Moi, j'adore. Et le pailleté, ben, on va voir ce que ça donne. Donc, ça fait des embouts gloss, comme ça. Voilà. Je vais essayer de le mettre au-dessus. Ah oui. Ah, super. Alors, à mon avis, lui, il faut y aller bien en tapotant pour pas trop étirer les paillettes. Il est ici. Voilà. Mais je pense que sinon, il doit être super beau. J'ai hâte, hâte, hâte de l'essayer. Vraiment. Et ensuite, pour finir, j'ai pris deux fonds de teint. Alors, j'ai opté cette fois pour le fond de teint stick parce que c'est quelque chose que je ne connais pas. J'ai jamais essayé de fond de teint stick. Vraiment, vraiment jamais. Et ça me faisait très envie de les tester. Je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer dans cette marque-là? Ils étaient à 4 euros et quelques. Ils n'étaient vraiment pas excessifs. Et ça m'a donné envie de les essayer. Alors, j'ai pris, moi, la teinte F3. J'espère que ça ira. J'ai essayé de choisir sur le site. C'est pas évident. Donc voilà. Alors sur le site, j'ai essayé de regarder ce qu'il disait. Il disait que c'était des teintes un peu rosées. Claires et rosées. On verra ce que ça donne. Ouais. Écoutez, il a l'air crémeux. On ne le verra pas bien. Il est là. Il a l'air crémeux. Je vais voir comment il s'étale et tout ça. Mais non, il n'a pas d'odeur spéciale. Tant mieux. C'est pas ce que je préfère, les odeurs. Voilà. Et j'ai pris le même. En plus foncé, j'ai pris la teinte F11 pour faire mon contouring avec, parce que j'ai vu que ça se faisait énormément. Alors, surtout pour réchauffer à ce niveau-là. Voilà. Donc, j'essaierai de faire du contouring un petit peu avec. Donc, j'ai pris celle-là, teinte, la F11. Et ma foi, eh ben, on verra ce que ça donne sur le contouring. Alors, je ne veux pas un contouring trop foncé. Je ne veux pas un contouring qui ne se voit pas non plus. Mais voilà, je veux un contouring. Donc, j'ai pris cette teinte-là. Elle est ici. Donc, j'espère que ça ira. Ils m'ont l'air très, très bien. Ils m'ont l'air crémeux. J'espère qu'ils seront faciles à estomper. Voilà. Et tout ça était emballé dans un super carton et filmé. Au fond du carton, c'était filmé. Donc, vraiment, pas de souci. J'ai été livrée en... Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai été livrée en une petite semaine à peine. Voilà. Hâte de tester tout ça dans ma routine, en fait. Voilà, hein. Je vais essayer de tester au fur et à mesure les produits. Et ben, si c'est concluant, ça ne dit, je ne dirais pas non pour recommander. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous invite à mettre des petits pouces en l'air et à commenter. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao !